Comme d'habitude. C'est parti. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour un nouveau haul Shein. Je vous avais fait un petit sondage sur Instagram et vous aviez clairement su que c'était ça, je sais pas, vous êtes habitués avec moi. Mais les votes étaient largement pour Shein, donc bon, vous êtes habitués je pense. On va passer aux petits détails habituels, à savoir ma livraison. Donc comme d'habitude, ça m'a pris 15 jours pour arriver très rapidement. Vous recevez un petit message à l'avance qui vous donne la date exacte. J'ai pas eu de problème pour ça. J'ai eu des frais de port vu que bien évidemment j'ai fait une commande qui est au-dessus de 100 €, donc on sait déjà aux Antilles, une commande au-dessus de 100 €, tout de suite vous avez des frais, c'est même pas la peine d'attendre et d'espérer que Mère Noël vous fasse un cadeau. Non, on a des frais. Donc enseigne élevée à 42 € si je ne dis pas de bêtises. Je vous avoue qu'effectivement c'est colossal, mais bon, une fois comme ça, je préfère ne pas me faire une fixette là-dessus. Et on va tout de suite passer au haul Visu. Donc je commence par ce petit crop top couleur marron, donc on sera très sous les tons marron, vous l'avez déjà vu dans le titre. C'est un haut qui a une particularité qui est dos nu. Donc je suis déçue, on commence par un flop parce qu'il est trop grand. En fait je sais jamais où me placer pour les tailles de chez Shein, je vous avoue que des fois c'est très aléatoire. J'ai pris une taille L pensant que ça allait être trop petit et finalement j'aurais dû prendre ma taille, donc c'est de ma faute. Au-delà de ça, c'est un très joli haut, une petite couture qui passe au niveau de la poitrine, j'ai trouvé ça sympathique. Manche longue comme d'habitude, c'est mon kiff. Le dos nu il est vraiment très joli, on peut le mettre avec un jean, c'est parfait quoi. Petit flop pour celui-là, mais c'est pas la mer à boire. C'est pas cher avec ma réduction, il m'a coûté 6,60 $. On sait déjà, on va pas commencer à dire la fraise culte, c'est pas cher. Pas de transparence je trouve, ça va. Je tiens quand même à cacher mes nénés, on sait jamais si YouTube nous censure. On passe à la suite. Cette petite paire de sneakers que j'ai trouvé assez originale. Je vous avoue que c'était moyen. Je me suis dit, allez, c'est kit ou double. Je suis mitigée. Je trouve que l'imprimé, il est assez original. Mais la forme même de la basket, elle est blip. Tu sens vraiment que c'est pas une marque, une grosse marque qui l'a faite. Par rapport aux anciennes sneakers que je vous avais montrées, qui étaient pas chères et qui étaient quand même qualitatives, celle-ci, je mettrais vraiment pas une note de ouf. On a des petits graffitis dessus. Je l'ai pris en taille 41. Je vous avoue que c'est plus pour ça que je me suis laissée tenter, parce que c'est très rare de trouver de grandes tailles sur le site, également en noir. Donc j'avais hésité à prendre entre le noir et le blanc. Mais voilà, 22,93 $. Donc là, pour le coup, oui, je trouve que c'est cher parce que frère, à un moment donné, c'est pas ça. Entre la photo et là, c'est pas ça pour moi, c'est pas ça. On sent que les matériaux sont bruts, on sent que c'est pas solide, que la couleur elle va vite tourner au jaune. Non, je ne valide pas, je ne vous conseille pas de l'acheter, ce n'est pas bon. On passe maintenant à ce pantalon qui est mon coup de cœur de ce haul. Taille M, donc ma taille pour le coup, là il est parfait, il me taille très très bien. Franchement il me fait une belle taille, la couleur elle est super, elle va exactement comme la photo. C'est un beau, je sais pas si c'est cacahuète ou je sais pas, mais la couleur elle est super belle. Vous avez bien vu que cette matière elle est épaisse, en plus c'est du velours, donc c'est vraiment une matière que je recherche, mais expressément je la recherche partout pour tout type de vêtements, haut, bas, culotte, tout. Parce que c'est vraiment une matière où je trouve que c'est classe, ça va avec tout. Tu peux mettre en journée ou le soir, même des reflets en fait satinés dessus. J'espère que vous allez voir, mais bon, voilà. Mais on a des petits reflets satinés et le pantalon est à relief. Il n'est pas lisse, il est vraiment à relief. Une très belle longueur de jambe parce qu'il n'est pas def. Toujours, c'est la base. Ça fait les années disco et tout et je trouve ça trop beau. Parfait. Deuxième crop top chocolat aussi, cette petite couleur marron chocolat. Toujours dans le kiff du marron, c'est mon mood. C'est un cardigan, donc un petit effet pull comme ça. J'ai trouvé cute, ça fait un petit moment que je le cherchais lui aussi. Parce qu'il a une couture qui est défaite à l'avant et ça j'ai trouvé ça super cute. On a un col V qui est très beau puisqu'on a des surcoutures un peu fluffy comme ça sur toute la devanture du haut. Et aussi sur les bras, 12,37 €, je l'ai pris en taille M. À porter sans soutien, je trouve que c'est plus sympa comme ça. C'est une matière polyester. C'est très doux au toucher. Je valide, je recommande. On passe à la suite. On continue sur notre lancée de crop top. Donc là il s'agit d'un crop top manche longue. Là on est sur une couleur un peu plus beige. On a des petits lacets pour resserrer au niveau de la taille. Donc j'ai trouvé ça sympa. Ce n'est pas comme un que j'avais acheté et c'était des faux. Ok,
Là, on est sur du vrai. Je l'ai pris en taille M. Je trouve que les manches, elles sont bien. Comme d'habitude, c'est très important que les manches soient assez longues. On ne veut pas des semi-manches, mais on veut des vraies manches. Un 10 sur 10 aussi. Voilà, on passe à la suite. Une catégorie accessoire. Donc, il s'agit de ce petit sac-ci. Ce que j'ai kiffé, c'est qu'il est très vintage, très dans les tons anciens. Je l'ai pris en couleur noire avec des surcoutures marron. Comme on peut le voir juste ici, il n'y a pas beaucoup de rangement à l'intérieur. Donc, vraiment le strict minimum. Portable, paquet de mouchoirs, AirPods et puis... on est parti. Je m'attendais à le voir plus rigide, vraiment effet cartable. Et non, c'est une petite matière assez, assez molle. Et vous avez également une lance, donc pour le tenir en bandoulière ou avec la petite lance aussi pour le tenir à la main. C'est tout pour moi pour celui-ci. Toujours dans les accessoires. Pour ceux qui ne savaient pas, Shein fait aussi des accessoires de téléphone. Donc j'avais expressément besoin d'un film pour protéger mon écran et aussi d'une coque. Moi j'ai pris une coque où c'est marqué que ma mère a dit que je suis spéciale. Et c'est vrai. On s'envoie des fleurs ici. Non mais bon, j'ai trouvé ça mignon, je l'ai pris. C'est une matière un peu caoutchouteuse, donc elle est malléable. Là, on est sur un haut qui est à forme asymétrique, avec un petit lacet qui est ajustable. On est sur un marron taupe. Donc ouais, un marron taupe, 5,78$ et je l'ai pris à ma taille en taille M. Je suis mitigée, c'est-à-dire que je le trouve très joli, mais c'est un haut où tu... Faut faire gaffe quand même, faut faire gaffe. À n'importe quel moment, ton boobs, il peut s'échapper. Mais je l'ai trouvé quand même fort sympathique, il est cute et avec un petit pantalon classe, ça le fait très très bien. La matière est pas trop qualitative, elle est très très fine. À manier aussi avec précaution, à laver à la main éventuellement. Mais son côté asymétrique fait son charme, donc bon, on va mettre un petit 10 sur 10 pour lui aussi. On continue avec un crop top qui est super cute lui aussi. J'ai vraiment kiffé la couture qui donne un effet super beau au bustier. On a des petits froufrous au niveau des manches que j'ai trouvé cute. Ajustés normalement sur les épaules ou les descendre légèrement. Sexy mais mignon. Un haut de couleur blanc. Il est pas transparent. On peut bien le voir à la caméra. J'avais pas de soutien, j'avais rien. Il tient très très bien les seins. En termes d'accessoires, je me suis également pris une petite paire de lunettes. Donc je l'ai kiffé. Elle aussi, elle fait très vintage, très rétro. J'ai trouvé super branché. On avait plusieurs coloris en noir ou fumé. On a un dégradé de couleur, donc il va du plus clair au plus foncé. Tout de suite, ça te fait un regard super chic, super branché, tout. T'es dans... Je trouve ça que c'est très fashion. C'est indémodable. Vraiment indémodable. Donc bon. 10 sur 10 pour ça aussi. Un body dans les tons taupe, un vrai col V, donc c'est un haut skinny, donc il est censé être très près du corps. Et c'est le cas, je l'ai pris à ma taille. La matière, elle est très très douce, à mettre avec un jean ou un jogging. Mais les polos, et moi en fait, ça devient une vraie histoire d'amour, je ne vous mens pas. Là, j'ai une robe polo, j'ai un t-shirt polo, là, je rachète encore un polo, les polos, ça va commencer à devenir envahissant. Ce body là, il est à clip, vous n'aurez pas de problème pour aller aux toilettes, on sait déjà. Donc là, on passe vraiment au dernier article, le meilleur pour la fin, c'est cette superbe petite robe avec un imprimé dans les tons marron. Elle est super belle franchement, donc c'est une matière doublée, un tissu en tulle et en dessous on a une doublure qui permet de ne pas avoir de soucis au niveau de la transparence. Elle n'est pas trop courte, ce qui est super beau c'est qu'on a les fines bretelles qui sont cousues. Croisé au dos, donc j'ai trouvé ça super sexy. À mettre sans soutien, c'est indéniable. Les gens qui font ça là, arrêtez. Je m'imagine déjà avec un petit sac, tout petit sac, et puis des chaussures nude ou des chaussures transparentes. On m'a perdu. C'est un imprimé léopard, donc toujours dans le sexy, toujours dans le sensuel. Elle est bien extensible, bien stretch comme il faut. Danser comme ça avec la robe. On a perdu. C'est tout pour moi aujourd'hui, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quel était votre article préféré. Et si vous voulez que je fasse des hauls sur un thème donné ou une couleur donnée, vraiment n'hésitez pas, on échange et j'aime beaucoup ça avec vous. Et vraiment merci pour tous vos compliments tous les jours et la force que vous me donnez pour continuer à faire mes vidéos. Donc sur ce, je vous fais de gros bisous et on se dit à la prochaine.